Dégueulasse Sangoku, détends-toi toi, Fred. Pourquoi je... C'est la vérité. Bravo. Oui, je sais que Flunch est le sponsor de Monatori, oui. D'ailleurs, si tu voyais baver. Legolas Sangoku. Page de bave à chaque stream. C'est pas mon mode, hein. C'est moi qui l'ai demandé, mais c'est pas mon mode. Je vais pas regarder si j'avais pas du vomi sur moi, d'ailleurs, en dessous. Pourquoi t'as demandé ça, Bagheera? Bon, pour voir. C'est quoi, à gauche, le drapeau, Rayou. Moi, je check à chaque début stream, Fred. Hein. Que j'ai du vomi sur moi. J'ai pas d'enfant, c'est juste le mien, mais... Il est rebou. Ouais. Je pense un petit. Ah, oh, j'avoue. Et franchement, à vie, McDo. McDo, Ikea. Non, McDo. Non, le resto Ikea. Ça, moi, je pèterai un câble. J'aime trop les restos Ikea. C'est ok. C'est pas mal aussi. Moi, j'aime bien Buffalo. Ah, Buffalo, c'est bien aussi. Ah, Buffalo, c'était bien avant. Oh, non, c'est très lotière. J'ai jamais goûté. Oh, putain. Ah, moi, je trouve ça pas mal, Buffalo, en vrai. Les steaks d'autruche. Non, mais c'est ok, mais c'est ok, quoi. Ah bah excuse-moi, on va pas manger chez Paul Bocuse, Bocuse. Paul Bocuse. Ah bah, mais je dis pas d'aller manger chez Paul Bocuse, merde. Mais vous me mettez des mots, vraiment, vous surinterprétez ce que je dis, c'est une dinguerie, hein. Bah, est-ce que je dis d'aller chez Paul Bocuse? Moi, je suis... Non mais merde, je suis pas un fan de Lyon, en plus, c'est bon, merde. C'est le Fouquet. Oh, Rayou, t'es fou. Mais le Fouquet, c'est nul, putain, c'est nul, le Fouquet. Dommage, Rayou. Quand je dis ça, je suis jamais allé. En fait, je crois juste que je suis pas fan de restaurants de chaînes de restaurants de manière générale. Je sais pas. C'est quoi ton restaurant? Mais non, mais c'est pas ça. Mais ça veut pas dire que c'est des restaurants de luxe, putain. Mais enfin, casser les couilles. Mais je n'ai pas spécialement de restaurant préféré. De gauche. Alors qu'un petit steak and shake. Comment ça? Et quoi? Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Putain! Quoi, Christian? Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce que tu veux là? Y'a quoi maintenant là? Y'a quoi là? Il me saoule le. Le Fouquet, il aime bien aussi, je crois. Fouquet? Mais putain! J'arrive pas. Moi je déteste ça, vraiment ça m'intéresse pas les restos de luxe, putain! C'est une posture, ouais. Moi j'aime bien les brasseries sympas, c'est tout! C'est une posture! Ah, bon, ça marche. Non, mais après, ça, en vrai, vocal, des petites stories privées là, on je les je suis allé là, une fois bon. Dans un. Non, deux fois. Oh, j'imagine mes stories privées au Fouquet. Au Fouquet. Non, pas au Fouquet, c'était dans un resto genre avec une ou deux étoiles, c'est très bon. Et bah oui, une étoile c'est incroyable déjà. Il essaie de se rattraper et écouter les. Mais putain, mais ta gueule, putain. Une étoile pour un petit déj, ça va. Yeah. Grand brunch à la rigueur. Un petit brunch le dimanche, on prend une étoile. Ah, mais ça veut dire que c'est tellement pas ce que je suis, putain! Ouais, ah, c'est tellement pas moi, putain! C'est tellement pas moi! La gauche caviar, comme on l'appelle. La gauche molle, c'est bon, hein. La gauche caviar. Mais t'as toujours été comme ça, Antoine? Ou les goûts luxe arrivaient. Il est en train de souffrir là, il est en train de mourir l'intérieurement. C'est à partir de quelle boîte de cut que t'as commencé le Fouquet? À quel moment tu t'es mis à avoir des t-shirts de North Face? Ah, par contre, ça j'aime bien The North Face! j'aime bien The North Face! Mais The North Face, c'est pas une marque de luxe, non? Excuse-moi, Nekfeuille l'emporte. Oh bah, ok. Hein. Si Nekfeuille l'emporte, alors. Si Ken Samara s'emporte, mec. Ouais, j'avoue. C'est inestimable. Ah bon, si, ça l'est? Ah, c'est ultra cher, 300 balles le manteau. Mais j'ai pas de manteau, The North Face, j'ai un t-shirt, putain! C'est moi tranquille. J'ai tenté le cut. Pourquoi je tente des trucs et que ça rate tout le temps? Oh et puis merde. Trop c'est abusé qu'il ait un t-shirt. Oh et puis merde. Bon et au bout d'un moment je veux embrace ce truc là même si c'est pas moi au bout d'un moment. C'est bon quoi. Embrace Antoine. Oh ouais, est-ce que t'as passé la gear dans la map 3? Oh yeah. The North Face, c'est le luxe, ah bon, mais je savais même pas que c'était de luxe, non, The North Face. Pas du luxe. Non. Les gens me disent ça dans mon chat. Mais non, mais le luxe, c'est. Tu es déconnecté de la réalité, Florence? Non, quoi, toujours compliqué. The North Face. La définition du luxe en lui-même, bref. Non, mais en fait, c'est une. Mais c'est pas HM en fait. Non plus, tu vois. C'est... Nick. Bravo, c'est fini. Oh, Nick, c'est pas mal aussi. Hein. Une fois, j'ai croisé Antoine, il était habillé en Louis Vuitton, on me dit dans le chat, cette information est vraie. C'est pas David Lafarge, non? C'est trompé, non?